Celle-là? Ouais. Allez. Gingembre. Presque. Paprika, gingembre. Ouais. C'est vrai qu'il y a une espèce d'engouement pour ces élevages d'insectes, pour la raison que tu viens de mentionner, c'est les canards. En fait, le canard n'est pas la raison, mais est une des raisons. Les insectes sont un objet de consommation directe qui ne nous parle pas trop à nous, occidentaux. Mm-hmm. On dit toujours qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes dans le monde qui se nourrissent d'insectes. Alors, d'insectes à différents stades, ça peut être des œufs, ça peut être des larves, ça peut être l'insecte adulte. 2 milliards de personnes, grosso modo, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Occident qui échappe, Amérique du Nord, Europe, et puis le Moyen-Orient aussi, où il n'y a pas de culture de consommation d'insectes. En tout cas, il n'y a plus, parce qu'on estime qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'homme la consommation d'insectes, et c'est récemment qu'on l'a perdue chez nous, pour des tas de raisons, la principale étant qu'on n'en a pas ou plus besoin pour notre sécurité alimentaire, parce qu'on a beaucoup d'autres, notre culture gastronomique s'est construite sur beaucoup d'autres ingrédients, principalement justement des végétaux et des animaux non insectes. Nous avons l'habitude de cuisiner, donc on a perdu cet objet, enfin, on ne voit absolument plus l'insecte comme une nourriture. Et or, on voit que c'est en train de revenir, on voit surtout à travers les médias, où on nous parle toujours, est-ce que c'est l'aliment de demain, en tout cas pour ceux qui n'en consomment pas pour l'instant. Et la raison pour ça, c'est la demande en protéines. Il y a une grosse, grosse demande en protéines à l'échelle mondiale. Chaque année, enfin là, dans les 10-20 ans qui viennent, on estime qu'il y aura encore 50% de demande en plus en protéines animales, parce que c'est des protéines qui sont très digestes. Donc effectivement, ils fleurissent un certain nombre d'élevages, au départ avec cette idée de se dire qu'on va peut-être pouvoir en faire de l'alimentation humaine, mais comme disait Lévi-Strauss, ce qui doit être bon à manger doit être bon à penser. Or, encore une fois, nous, l'insecte, on n'arrive pas à le penser comme un aliment. Et donc se monte exactement dans ce que tu montres dans le film, hein, c'est-à-dire des élevages qui sont en fait destinés non pas à l'alimentation humaine, mais destinés à l'élevage lui-même. C'est-à-dire qu'on va faire des farines d'insectes pour nourrir des animaux que nous, on va manger ensuite. Et des animaux qui, si possible, ont dans leur régime alimentaire naturel des insectes. Donc, effectivement, tout ce qui est poule, canard, ça marche très bien, et surtout la pisciculture. La plupart des farines sont destinées à l'élevage de truites ou de saumon. Et ça, ça a un vrai impact écologique. Donc, c'est normal que la filière s'engouffre là-dedans, parce qu'on sait bien que cette demande en protéines pose des problèmes. Si je prends la pisciculture, la moitié des poissons et crustacés d'ailleurs qu'on consomme sont issus de l'élevage. Et donc, il faut bien les nourrir. Et pour l'instant, ils sont nourris avec de la pêche sauvage. Donc, en fait, on vide. Il y a un quart de la pêche sauvage qui est fait pour faire de la farine de poisson pour donner aux autres poissons. Donc, en fait, on vide les océans pour faire de l'élevage, et avec ce prétexte que l'élevage empêche de vider les océans, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Donc, c'est vrai que cette filière insecte explose. C'est compliqué pour les petites fermes, et on voit bien dans ton film, effectivement, c'est ça que je trouve intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que des petits élevages ont du mal à fonctionner parce que face à eux, il y a des mastodontes avec des usines, des fermes verticales, avec des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros et des centaines de milliers de tonnes de farine qui vont sortir avec des processus technologiques hyper à la pointe. Et donc, ça semble, dans le modèle socio-économique, difficile de rivaliser. Et on voit bien, elle a un peu de difficulté, tu vois, avec sa machine qui coince, avec sa farine, où le gars, il vient la chercher, mais c'est pas la bonne granulométrie. Tout ça, j'aime beaucoup, parce qu'on est complètement immergé. Là, on est vraiment on n'est pas dans la science-fiction, on est dans vraiment ce qui se passe, la difficulté de fabriquer un produit qui convienne pour les poules, pour les poissons, etc. Et ça ouvre tout un tas de sujets qui sont fascinants sur l'alimentation. Où est-ce qu'on veut l'emmener? Comment est-ce qu'on veut produire pour tout le monde? Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est vraiment, on bascule entre un film de société, tu vois, l'agriculture, nourrir la planète, comment on s'y prend, ces nouveaux modes d'élevage, effectivement, qu'on commence à mettre au point, et donc on tâtonne, comme cette femme qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui essaye, qui marche, ça ne marche pas, c'est compliqué, et puis ce côté un peu, sans tout dévoiler, effectivement, on flirte avec, on bascule d'un côté complètement fantastique, donc ça, c'est vrai que c'est assez fascinant pour ça. C'est marrant, parce que moi, j'avais des problématiques du scénario, c'est-à-dire que donc il y avait cette agriculture qui prenait une place énorme, il y avait ces insectes qui prenaient une place énorme parce que forcément c'était le plus du projet, sauf que c'était un plus technique et littéraire, c'est-à-dire que voir des sauterelles changer de couleur, voir des sauterelles devenir monstrueuses, enfin il y avait un vrai plaisir de lecteur, mais c'est sûr que moi en tant que réalisateur j'avais des problèmes techniques qui étaient beaucoup trop lourds à supporter finalement. Donc je cherchais constamment à essayer d'être, comment dirais-je,
de jamais remettre en cause cette femme ni ce travail. C'est-à-dire, à qui elle vend, pourquoi elle vend, quel est son domaine, son modèle économique. Elle a forcément investi, donc elle a investi en réfléchissant à des choses, elle a investi de façon intelligente. Quels sont les critères d'intelligence et d'investissement qui lui permettraient d'imaginer un futur? Ça, c'est vraiment des questions que je me suis posées et qui me taraudaient. Et puis, j'ai commencé à faire des repérages pour trouver un corps de ferme qui racontait à la fois le passé de cette famille, et notamment l'absence du père, qui était agriculteur et éleveur de chèvres, et qui avait mis fin à ses jours, donc qui racontait aussi le mal-être du monde agricole et cette famille qui avait vécu un drame. Donc ce ne sont pas des coupables, ce ne sont pas des victimes, c'est beaucoup plus compliqué. Et, dans ces histoires, il y a des histoires qui sont extrêmement douloureuses. Donc chercher un corps de ferme qui raconte le passé, mais qui puisse en même temps être ouvert vers le futur. Et un futur qui soit, ouvert à une propension à l'investissement et à l'agrandissement d'un délire d'agriculture sous bâche ou sous plastique. Ouais. Et très vite, dans le Lot-et-Garonne, j'ai vu ces éleveurs de canards le long des routes, et je me suis dit, mais en fait, cette femme... Elle vend sa matière à des canards. Enfin, je trouvais là l'animal qui permettait tout d'un coup de trouver une viabilité à son business, mais une viabilité un peu cachée. C'est-à-dire que j'imaginais, et c'est comme ça que j'ai rencontré des éleveurs, ces éleveurs qui font des marchés, qui ont un peu de blague aussi. Donc, quelque part, je ne dirais pas une économie souterraine, mais une économie qui pouvait dépasser l'Union européenne ou qui pouvait prendre d'autres tangentes pour être... Ouais, exactement. Mais à des échelles, pas de celles de multinationales, enfin, à celles de personnes qui vivent avec 1500, 2000 euros, enfin, pour qui 200 euros en fin de mois est important. Donc voilà, c'était cette échelle-là qui m'intéressait véritablement. Et c'est vrai que tout d'un coup, de découvrir cet animal m'a permis de réfléchir à cet environnement agricole qui pouvait avoir une viabilité. Et là, je me suis dit, OK, cette femme, au départ, elle a été aidée par des biocoop, par des magasins qui, justement, tentent de promettre une agriculture propre, saine, celle du futur, mais qui, finalement, n'intéresse pas le client parce qu'elle est trop chère. Enfin, cette farine de qualité géniale, hyper protéinée, finalement, elle a quand même une mauvaise réputation. Donc, on la lâche parce qu'elle est sur des volumes qui sont trop chers et qui ne peuvent pas être assez intéressants pour... Exactement. Et c'était tout ça que j'essayais de mettre en place. C'était à la fois de raccrocher à moi en tant que consommateur qui ne serait peut-être pas forcément intéressé par une farine à 6 ou 7 euros, et en même temps voir comment cette femme pouvait trouver d'autres partenaires qui permettaient à son engrenage de grossir et puis surtout de trouver une sorte d'échelle supplémentaire. Ouais. Pour l'instant, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Non, mais ça fait 6 mois que tu me promets 4 fois plus. Ah bon ? J'ai dit ça, moi ? Pourquoi tu me l'as pas dit au téléphone ? Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça. Si je la vends pas moins cher que les autres, c'est pas la peine.